Bonjour et bienvenue dans le 29e épisode de Pokémon version éclat-pourpre. Donc, poursuivons notre aventure de capture des légendaires. Après Regice, Regirock et Registeel, on va se faire les trois oiseaux légendaires. Que l'équipe reste la même. Tyranocif niveau 83. Métallos niveau 83. Lagron niveau 88. Trattack niveau 84. Razegali niveau 88 et Florizarre niveau 82 que je vais mettre en premier parce qu'il est en retard. Donc en dernière nouvelle donc la route 16 a été terminée. Pas un go avec ça. Alors il a quoi? Oui, il a 9 chances. Oui. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc, j'avais fait donc les grottes des golems légendaires. Et maintenant, j'avais hésité à l'épisode 28, mais finalement, je vais le faire maintenant. On va se faire le chenal 17. L'eau est teintée d'un bleu foncé. Voulez-vous utiliser surf? Oui. On surfe sur une vague, bien sûr. En même temps, bien sûr, on se fait le chenal 17. Donc, les dresseurs. Bon, celle-ci a déjà été faite. La la la. Alors par contre c'est un petit peu labyrinthique ce chenal. Tentacool. Ah oui, tu sais, il fait mal sans suite main, hein. Ouh, le Pokéball. C'est 7, elle compte ses cascades. Ah donc elle est ici la CS Cascane. Je l'aurais enseigné avec joie à mon Léviator si je l'aurais gardé. Linguil, ok. Du coup... Sorry. Et ouais parce qu'il y a une chance sur deux qu'ils aient suintement et ça pourrait vraiment mettre Florizarre KO. Hein. Comme d'habitude, il nous snob. Ces eaux sont dangereuses. Je confirme, il y a trop de méduses. Léviator. Je m'en fous, j'attaque que sur le spécial. Voilà, full vie. 5200 XP. Non. C'est extrêmement... Wow, c'est un Overkill. Il faut que je mette Overkill. Dégâts x12. Ah, grand dangereux, je confirme. J'ai une crampe. Ouh, encore une île. Bon, bah y'a rien ici. J'aime nager, et toi? Non, je préfère surfer. Tartare. Il y a du tartare en dîner. C'est super efficace. Général Omar, non, Colonel Omar. C'est super efficace. Pouaf, t'es dans la vague. Bon, les nageurs ils sont pauvres, ils sont clos de toute manière. Je nage plus vite que les Pokémon. T'es sûr? Ah, il y a une bifurcation là. D'où vient le vent? Bah... Il fait des allers-retours en haut et en bas comme toi. Oh, on a un dragoonnet. On va le vampigrainer.
et on lui envoie des déchets. Ça pollue la mer, je sais. On nous envoie du pétrole sur un hippocampe. J'adore l'XP que ça rapporte ici. Hein. Bluff, ok, je pense plus de questions évidentes. Bah, dans Pokémon, il n'y a pas de vin. Je vois des îles en loin. Bon, les tentacos, je vais les fuir parce que ouais, j'ai pas envie de me faire empoisonner. Mais il y a que des tentacos ici. Hein. Chenalvin. Sa carte. Carte électronique. Ah, on est hors carte à première vue. Tentacool, non, pas de tentacool. En tout cas, il y a une île ici. Bah, vous. Bon, ouais, j'en ai marre. On va mettre la grande première. Oh, je vois un monument là. Tentacool. Qu'est-ce donc ici? C'est les lulus. Ouh, la musique. Voilà. Faut mettre une musique spéciale légendaire. Est-ce que j'en dors? Je vais essayer de parler, c'est quoi? Parfait. J'ose pas mettre ce Florizarre. Je crois que Florizarre aurait bien tanké à mon avis. Wow, un PV. Juste un truc. Résumé. J'ai combien de défense spéciale? 190. 214. Non, il aurait quand même bien tanké Florizarre. Allez, on va lancer les hypervols. Voilà, j'ai fait le plein, hein, comme vous l'avez vu à la fin de la dernière vidéo, dans le bonus. Là, j'ai vraiment 9 chances sur 255 de le capturer. Hein. Parce qu'il est à 1 PV. Hein. D'ailleurs, j'ai été bête, j'ai oublié de donner les restes à mon Pokémon. Comme j'ai fait avec les chiens légendaires. Alors, je sais ce que je vais faire. Pokémon, surtout pas fuite. Celui qui va le mieux tanker, bah, c'est lui, hein. Hyper bon, go! Ah, première fois qu'il est remis une fois. Mitraille Hyper Ball, c'est un peu ennuyant comme stratégie. Hein.
protection du ennemi prend fin. Je me disais, il manquait un mot là. Ah, il fait comme 31 dégâts, hein. De dégâts. Il a combien de défense P hein? Je sais qu'il est foufou, ça l'handicap. 171. Bon, on va accélérer hein, parce que. Waouh, il prend cher quand même. Continue encore un peu. Bon, et je vais pouvoir passer à la chronoball là. Par contre, je vais le soigner. Sac. On va passer à 18 chances sur 255 de le capturer, si je ne veux pas rentrer. Ah, il a remis un peu plus longtemps là. Ah, presque. Ah, merde là. Je suis déjà 45 balles là, c'est... Et là j'ai peur qu'il fasse lutte là, hein, je le dis honnêtement. Hein. Ah bah enfin! Il a fallu plus de 50 balles. Ça... Attends. Voilà. Articodon glaciaire. Il est l'un des Pokémon oiseaux légendaires. Sa longue queue flottant en vent laisse bouche bée tous ceux qui ont la chance de l'apercevoir. Non merci. Ouais, ça va, mon équipe est assez correcte. Glace. Il y a écrit glace dessus. Alors, je suis où sur la carte là? Ouais, c'est ça. Hein. 51 balles. Ça fait un peu mal hein, au niveau des finances. Carte. Donc il est ici, Articodon. Au-dessus du parc de Croiseville. Alors je vais mettre qui en premier, allez, lui. Bah oui, c'est toujours marrant de prendre des baignades avec des Pokémon Roche. Il y a un truc ici là. Sulfura. J'espère que je serai moins malchanceux. Alors qu'est-ce qu'on va mettre en premier? Si j'essaie de le brûler, je prends un risque.
Bon, par contre, cette fois-ci, ça m'évitera de consommer des objets de soins. Il est où mon... Ouais, il est en haut. Reste. Alors, non, pas toi. Reste. Qu'est-ce qui tankerait le mieux ce Pokémon? Bon, on va éviter de mettre lui. Non, peut-être pas lui. On va rester sur lui. Allez. Capturons Sulfura. La musique légendaire. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? Laser Glass. Ça devrait pas le one shot. Ah, ça fait quand même mal. Là, du coup, il va falloir que je tape sur quelque chose de moins efficace. Allez, encore une fois, et c'est bon. Allez, 12 chances sur 255, ça devrait marcher un peu mieux. Oh, wow, wow. Ok, il me touche le teuf. J'ai pas moyen d'augmenter ma défense P. Ah, c'est attaque, c'est génial. Ah oui, Rune Protect, génial. Et... les mêmes sauter. Je sauvegarde un coup. Voilà. Pour être sûr qu'il soit rendormi comme il faut, on relance le super vol. Ah, il est rentré. Ah bah ça marche mieux le sommeil. Hein. Bon, j'ai pris un risque parce que il était doublement désavantagé, Florizarre, par le type de Sulfura. Sulfura, flamme, musique s'il vous plaît. Voilà. Il est l'un des Pokémon... Alors, flamme, il est l'un des Pokémon d'oiseaux légendaires. Tous ceux qui l'aperçoivent sont subjugués par ses ailes oranges qui se mettent en feu. Bah, tout le monde aime les plumes des oiseaux légendaires, vous diriez. Non, merci. Allez, deux. Oui, ça rappelle le deuxième film Pokémon. Alors, je sais plus comment il s'appelait, le collectionneur. Je vais capturer avec ma machine et mon aéronef ces oiseaux légendaires. Sac. Carte. On est où? Oh, on est hors carte là. Enfin, normalement on est censé être sur la terre ferme, pas loin de la béquinaise. Ouais. Mais bon, le mapping il est un petit peu foiré dans ce jeu. Hein. Par rapport à la carte du jeu. Channel 17. Merci. Alors, ouais. Mais il faut trouver Elector. Ouais, Elector. J'ai évité ce combat, quoique t'as. Allez, oh là, va le faire. Je chasse des Pokémon dans les grands fonds. Éboulement. Parce qu'il a le type glace. Alors, il rate son attaque.
C'est super efficace. Azumarill, non merci. On va mâchouiller. Miam miam. Le problème c'est qu'il a une bonne défense quand même. Et il n'est pas one shot. Oh, 46 dégâts. Lol. Il rigole, Tyrannosaurus. Hein. C'est un type fée. Donc normalement, il a l'avantage, il a un double avantage contre moi parce que j'ai le type ténèbres. Mais dans cette génération, il n'a pas le type fée. Donc je peux le mâchouiller, c'est normalement efficace. Alors, où se cache Chenal 18? Ouais, où est-ce qu'il est le dernier Pokémon? Non, ça doit pas être là. J'ai dû le rater, alors où est son île? Bon, bah en fait, il n'y a pas beaucoup de dresseurs hein, dans le Chenal 17. Petite ellipse, le temps de retrouver mon chemin au milieu des îles. Attends, il y a une île là. Ah, c'est peut-être ici. Ah, ça y est. C'est bon, on l'a trouvé. Sauvegarde. Alors, on met surtout pas Tyrannosif en premier. Qu'est-ce qui va s'y lancer? Bon, on peut mettre Florizarre, hein. Florizarre résiste à l'électricité. On sauvegarde. Lui qui a combattu avec le champion de... Le champion de Las Vegas. Mais maintenant, il jouera plus à des jeux d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on va lui foutre? Allez. Ah merde! C'était pas prévu. Bah pas le choix, j'ai même pas vu que j'avais plus de PP. Alors sac à B. Ouvrir. Et mes fous. Toujours dodo. Ça fait mal, bon je vais l'endormir direct. Ah putain rien. Et... Giga ascension. On va le descendre tout doucement. Waouh, waouh, waouh. Critique. Alors, ça m'arrange pas vraiment ça. Ah, il est pas bien affaibli. Il est pas dans le rouge. Ça m'arrange pas du tout. Non, là j'ai aucun moyen de l'affaiblir un chouïa mieux. Non, non, j'ai aucun moyen. Hein. Donc je suis déjà obligé de lancer des bols alors qu'il n'est pas dans le rouge. Il se réveille vite lui. Hein. Ah bien sûr il a pression, alors les PP ils font comme des gens soleil. La bonne nouvelle c'est qu'il faut utiliser des chronoballs plus vite. Au moins il les rate pas, ça c'est bien. Allez 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 allez. Ah presque. Je sais même pas combien d'hyperboles je suis. Heureusement qu'il y a les restes pour me heal.
Bon, je vais faire un truc vite fait. Voilà, intimidation. Ah bah, il a raté son attaque. Ah d'accord, il a encore raté son attaque. Voilà, je voulais l'intimider avec Dratak pour que son assemblée griffe fasse un chouïa moins mal. Allez, on va passer au chronomol dès maintenant. Hein. Ah bah voilà, il est en boîte. J'ai capturé un électeur. Voilà, musique normale. Électeur électrique, ouais, c'est électrique. Un des Pokémon oiseaux légendaires. Quand il vole, il commence à décrire électrisant. Ah, et rien sur ses plumes cette fois-ci. Donnez son nom à un électeur capturé. Non merci. Nidia. Je suis pas trop fatigué, non ça va. Allez, on va mettre lui en premier. Sac. Œuf chance. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici déjà? Poudre. Donc dans l'autre, il y avait écrit... Donc c'était l'île du sud, il me semble, non? Ouais, bah c'était... Non, du nord. C'était l'île du nord. Ah oui, Luigi est là. Donc si je récapitule... Donc Sulfura, c'est l'île est. Articodin, c'était l'île... je sais plus quoi... Est, non, ouest, et Elector, c'est l'île. Non. Feu, ouais, c'est ça. Allez, allons voir Lugia maintenant. Comme ils disent, l'échec est en place. Maintenant, le roi se présente. Et je vais faire échec et mat. Sauf que Sacha était intervenu, il a pas pu capturer Sulfura. Le collectionneur. Et après, les trois oiseaux légendaires se sont tapés entre eux. Oui, parce que le mapping, là, les trois îles et Luigi en centre, c'est une référence au second film. J'ai l'impression que c'est Le Pouvoir est en toi. Non, Le Pouvoir est en toi, c'est... Je sais plus comment il s'appelait, bon, bref. Alors, Luigi. Bonjour. Psychothérapie. Alors, c'est un type psy, vol, lui. Alors, cette fois-ci, attends. Sac à B. Non, pas boîte CT. On va recharger les poudres de dos, quand même, hein. Ok, bon, il est déjà full. Et bon, giga sensu aussi. On le met en premier du coup. Non, je vais l'affaiblir avec lui, tiens. Sauvegarder. 376 sur le Pokédex. On mettra la musique Luigia, bien sûr. Hein. Un Luigia sauvage apparaît. Ça, c'est marrant, il a pas fait son cri. C'est pour l'intimité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Attention, il tape fort, lui. Hein. Pas à Draco Griffe, hein. Wow, 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 tu tapes fort, toi. Hein. Putain, j'aurais dû faire vol, j'aurais mis à 1 PV tout pile. Bon, bah, pas le choix, il sera affaibli comme ça. Ah, d'accord, si l'assaut, je sens que je vais rigoler. La pluie continue de tomber. On va essayer d'endormir. Allez, rate ton attaque, vas-y. Oh, ça fait rien du tout là. Voilà, j'ai pas le choix. Bon, Burk, hein. Bon, il est pas type eau et vol, il est type psy et vol. Hydrocanon. Dodo.
En plus, s'il a soin, il vaut mieux clairement l'endormir que le paralyser. Ah, il se réveille déjà. Ah, bah il a fait l'attaque que je voulais pas. Donc, je vais sauvegarder un coup. Bon beurre. Allez, allez, allez! Ah, presque! Ah, il se réveille déjà. Ah, il m'envoie des petites météorites en forme d'étoile. Parce qu'il faut toujours que ce soit en forme d'étoile, hein, les météores. Ah, mais il veut pas rentrer, hein. Bon, allez, je passe à la chronoball maintenant. C'est peut-être encore un petit peu trop tôt pour la chronoball. Je suis obligé de donner les... La Bémipo, Chronoball. Eh ben, il fait de la résistance, lui. Luigi. Allez. Dodo, tu fais dodo. Eh ben, il s'est réveillé direct, hein. Le problème qu'on n'est pas dans le rouge. Putain, mais franchement, il reste pas du tout un symbole, hein. Ah bah dis donc, il sort très très vite, hein. Voilà, ça fait bien plus de 40 tours de combat, oui, vu le nombre de poudres dodo que j'ai mis déjà. Putain, il reste jamais plus d'une fois, putain, mais... Bon, attends, ça m'a tellement énervé, on va sauvegarder, je vais tenter le giga sensu, voilà. Un PV. Je vais sauvegarder encore une fois. Voilà. Là, je préfère un PV. Il n'était pas bien affaibli. Ah, bah ça remue déjà un peu plus. C'est déjà un peu mieux. Ah, bah voilà, il fait son soin de merde. D'accord, sac. Oh merde! Bon, c'est pas grave. Sac. Sac à B. Une deuxième bomber. Chronoball. Trois fois! Ah, presque! Allez, allez, rentre! Deux, trois. Et il refait son soin de merde. Sauf que là, j'ai plus de poudre de dos, c'est génial.
Direct, direct, vas-y. Sors direct, hein. Bon, là, j'ai à peu près 18, presque 18 chances sur 255. C'est-à-dire, à peu près, donc, à peu près une chance sur 14 vers ces eaux-là. Une chance sur... Oui, à peu près. Donc, je suis clairement malchanceux sur lui, hein. Déjà, et comme j'ai plus de sac à dé, sac népo, il rate son attaque, c'est génial. Ah bah ça y est, il est rentré. Mudja, il est supposé être le gardien des mers, on raconte qu'il a paru une nuit de forte tempête. Plongeon, non, c'est un plongeon. Je sais plus, je pensais peut-être que je pensais à Pingoléon, donc c'est pour ça que je dis Pongéléon ou je sais plus quoi. C'est mal prononcé. Donner un surnom que j'ai comparé. Non. Au revoir. Pokédex. 377. Ah, oh, ça fait du bien. Alors, où est la sortie, s'il vous plaît? Non, c'est pas par là. Ça, c'est l'île du Nord. C'est l'île du Nord, ça, oui. Ouais, c'est l'île de la foudre. C'est ça. Donc, je disais, donc, Électeur au Nord, Articodin à l'Ouest et Sulfura à l'Est. Bon, allez, on va quitter cette route. Encore une petite ellipse, le temps de retrouver à nouveau mon chemin au milieu des îles. Ouais, déjà fait. Allez, plein Nord. Voilà, on y est arrivé. Oh, des petits roux cool. Et des goélises. Route 19. Entrée de la route victoire. Ah, personne nous... Bon, voilà, on va se regarder là. Bon, en tout cas, bon, merci d'avoir regardé cet épisode 29 avec la capture des légendaires. Juste, tiens, hors caméra. Bon, n'importe quelle ville, on s'en fout. Allez, juste pour vous montrer les légendaires qui ont été capturés. Voilà, je vous le montre bien. Mauvais. Pudique, prudent. Dans des stats cheatés, oui. Alors, ils avaient quoi comme attaque? Laser glace, lance-flamme et chargeur. Ok. Bon, voilà. On a pu contempler nos oiseaux légendaires. Attends, et lui, il avait quoi? J'ai pas regardé ses attaques. Résumé. Soin hydrocanante en spluie mitor. Ouais, ben il était pas loin de faire lutte, à mon avis. Hein. Oui, il restait que soin et... C'était un peu juste quand même. Hein. Allez, en tout cas, bon, merci d'avoir regardé. Et on se dit à l'épisode 30 pour la route victoire.